Allez mon poulet. Il reste 20 minutes. Ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il reste 20 minutes, t'es en train de remonter là. Eh bah ça y est, Saint-Léger terminé, je finis combien? 45 normalement. 45 à peu près, je suis en 5ème ligne, je suis mal parti, une gonzesse devant s'est plantée, je suis rentré dedans. Voilà, je suis parti en premier tour, vraiment j'arrive à remonter, à passer 30. J'avais le quad était un petit peu trop haut d'avant, du coup bah, au début c'était plat, j'arrivais pas à le placer comme je voulais. Voilà, il y avait un bon groupe, il y avait Bakeli, ça bouchonnait un peu, c'était pas facile, j'ai réussi à passer. Et puis à un moment donné, un mec m'a rentré dedans, il m'a mis dans les ornières, enfin dans le mou en fait, j'ai galéré à sortir le quad, je me suis ruiné. Et j'en étais dans un bon petit groupe et en fait mentalement j'étais pas du tout, j'étais fatigué la semaine, je pensais à la famille et j'étais pas du tout dedans. Et encore ravitaillement quand j'ai vu les collègues qui m'ont fait un ravitaillement du feu de Dieu et deux derniers tours, bah, je me suis concentré et ça m'a fait du bien. Donc bon, 45 c'est 45. Ce sera que mieux. Retour sur ma course de Saint-Léger de Balzon. Alors je finis 45 à Saint-Léger et du coup je suis toujours 44 au championnat. Grosse performance de Bebe, Benoît Berroudio qui finit 3ème. Un grand bravo à toi mon Bebe. Et enfin, Romain Colléat a fini une course et fini une belle, excellente même 6ème place. Donc top, je suis content pour lui. Osgore arrive, Graillant, Le Touquet, course de plage avec son moteur. Allez, on croise les doigts. Parti, deuxième nuit à l'hôtel, après la course. Ouais les gars, eh, à ma victoire. À ta victoire. Ils se sont trompés de pochette. Bah 141 quoi, ça va peut-être pas le faire. Putain! Allez, branle! À 2h de la course, on va s'inquiéter. Comme vous avez pu voir, c'est la course avant la course. Tous les mécanos qui amènent les stands, ils sont là une demi-heure avant, ils poirotent et tout. Alors certes, on est tout seul sur le quad ou sur la moto, mais on peut dire un grand merci à nos accompagnateurs à chaque fois, les mécanos, les panoteurs et tout, parce qu'ils passent de sacrées journées, ils en chinent, nous on est fatigué, on sortit juste 2 heures, mais eux c'est toute la journée que ça dure. Donc un grand merci à eux.
Vas-y. Bon les amis, donc là on est au parc fermé, les motos. Ils ont récupéré 15 minutes avant la course leur machine afin de pouvoir s'aligner sur la grille de départ. L'entrée. Ça tombe comme ça. Ouais. Voilà. Là, ça dispatche tout à ce qu'on était hier. Par contre, quand tu fais juste ça tout de suite, quand tu arrives là à l'arbre, l'arbre est là, tu serres à... Voilà, le cœur sur la main. Thank you.
copain, ça dit quoi? Ça roule. Les copains, ils sont usés, je crois. Ils sont usés, les copains. Moi, je crois que la semaine, ça leur a pas fait du bien. Les chips et tout, là. J'ai pas de soucis, 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 j'ai pas de soucis. Allez. Et ça que dedans, gamin. Problème de carriole. Tu la tiens? Ah, parce que moi je vais pas la tenir. Ah si. Fais gaffe, ils vont te le facturer. Ça y est, course terminée. Kevin, combien tu finis? 211. 211. Donc bravo à lui, il voulait faire top 100, 11 places près, on dit rien. Mais on félicite. Alors notre ami Thibaut, bon bah lui, faut pas lui demander, c'est, il va se mettre à l'enduro pour travailler les spéciales banderolées parce que maintenant il va bien pour les, pour tirer les banderoles. Et notre ami Jean qui finit, on sait pas où il est à la douche, 130, 131. Donc bah, tout le monde a fini, il n'y a pas eu de blessé ce coup-ci parce que il reviendra plus fort à Osgore. Et en tout cas un bon week-end. Salut tout le monde. T'as vu que je faisais le all-shot hier, hein. C'était hier ça qu'il disait. Hier il avait de la gueule, aujourd'hui il en a mis. Mais on a quand même bien se tenir. C'est pas carré quand même. Doucement. On part au départ de la Manche. Ça se bouchonne autant que la Manche.